Faites passer, n'oubliez pas d'en prendre un pour vous. Faites passer. Wow. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très joli. On ne peut pas parler à l'intérieur, pas de GSM et tout ça. Sinon, ils vous tapent dehors. C'est compris? Vous avancez, il y a un tourniquet pour rentrer. Vous mettez devant le tourniquet, vous rentrez dans le calme. Très très bas, c'est un musée. Alors comment s'est passé le voyage? Oh, très bien, très bien. C'était en musique. Dream, I was everything you needed. You used to lean your eyes on me. You used to open up and share your world. You used to lose yourself in me. Let the hours pass, all running by so fast. But now, what I'm doing. Alors, un petit commentaire. C'est un très beau musée. Monsieur, faites pas elle fait très bien quand elle fait des trucs de science et tout. Vous faites des zooms dans ma... Et donc voilà, vous êtes fan de moi. Je rigole. Non, du chien. Bêtisier, c'est bien ça. Ça c'est pour le bêtisier. Déjà qu'ils arrivent en retard. Ouais, oui, après ils nous quittent, on sait pas où ils vont. Explique-nous l'origine du bacalao. Alors, je t'explique. Encore non, j'ai déjà fait ça il y a 3 ans, non. Je vais raconter une autre histoire, si tu veux. L'histoire du retard ici. Le mur du 34. Non, l'histoire du retard, vas-y. C'est passé. Et bien donc, on s'est fait remarquer malheureusement, monsieur Scoy et moi. Comme d'habitude. Nous sommes arrivés en retard, 10 minutes en retard au rendez-vous, donc les élèves nous ont chambrés. On est monté dans le car, directement sous les huées. Bon. Après la Tunisie, après le désert, après le Portugal, après la Hongrie, ça change un peu. Enfin, on l'a fait. Je trouve que c'est pas mal, il fait bon, hein, quand même, il y a du soleil. Ton commentaire. Mon commentaire, c'est je suis endormi et je vais visiter des tranchées. En espérant ne pas m'endormir dans le lit des Allemands, j'ai pas envie de passer pour un traître. Ben voilà, alors on attend ton commentaire parce que tu l'as demandé. Non, monsieur. Attendez, sur ma mèche. Voilà. Je fais ça bien. Bah, écoutez, je trouve que le paysage est magnifique. Dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons partir. Dans un troisième temps, vous allez arrêter de me filmer. Tout calmement. Ou alors, si vous voulez, vous m'accompagnez, on y va. Allez, venez avec moi. Deuxième guerre mondiale, ils ont employé des bombes jusqu'à 10 tonnes pour des opérations très spéciales, etc. Des avions qui jetaient une bombe, etc. contre un appareil de codage et de décodage. Donc les Allemands avaient tout un système pour les trois forces, aérien, terre et mer,
Hein, ils avaient des systèmes différents. Ils devaient changer tous les jours de code, etc. Ces petites machines-là, donc électronique, n'existait pas encore. Donc c'était tout avec des contacts, des rotors, des magnétiques, etc. Donc c'était formidable, il y avait des milliards de combinaisons possibles. C'est bien simple, c'est un 8 avec 50 zéros à peu près. Bon, de incroyable le nombre de combinaisons possibles qu'on pouvait faire avec cette petite machine-là. Enfin, c'est un Hollandais qui a inventé ça dans les années, début des années 30. Les Allemands ont développé. C'est terminé. Oui, oui, on retourne. Un mot de la fin. La fin. Il faut faire une photo de sa tâche. Et là aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait en d'être noté qu'il y avait plein de trucs comme ça, comme... Parce qu'ils sont frottés contre le mur. Ça fait bien le gâteau. Oui. Ça nous arrive jamais. J'adore tout le monde. Voilà. C'est semblant que tu n'as pas été dans le château. Non, j'ai pas été dans le château. Celle-là, je ne l'ai pas filmée. Donc, elle était dans le château gonflable. Voilà. Who can you blame? The red